Bonjour, bienvenue à cette vidéo aujourd'hui sur Sculptris. Nous allons voir ce numéro 19 qui partira sur l'outil Fill. Voilà pour vous pouvez mon petit personnage que j'ai complètement modifié, enfin entre guillemets, j'ai enlevé l'œil, j'ai mis un œil bleu, juste pour vous expliquer comment fonctionne l'outil fil. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, donc nous voici sur Sculptris. Alors là, la vidéo est assez courte parce que l'outil est assez simple à comprendre, vous allez vite voir ce qu'il en est. La dernière fois, on a utilisé l'outil ici euh, Paint Color, touche raccourci D pour pouvoir peindre notre élément. Là, j'ai fait en sorte de le peindre complètement en blanc. Et ce qu'on voudrait, évidemment, c'est peindre celui-ci en vert. Donc on va faire. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, Shift H, et on clique. Et vous voyez, automatiquement, j'ai fait abstraction à la fois de mon œil et de mes dents. Là, je vais cliquer ici, je vais prendre une couleur verte. Alors je ne refais pas comme on a fait la dernière fois parce que je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Je clique sur OK. Et je vais juste cliquer ici sur Fil. Et vous allez voir, automatiquement, ma matière est créée. Et si je fais CTRL H, je me retrouve avec mon œil et mes dents tout blanches. Donc c'est cool, ça, il n'y a pas de problème. Pour l'œil, bah, rappelez-vous, hein, c'est exactement comme la dernière fois, je vous dis je ne vais pas le refaire puisqu'on l'a déjà quelque part. Parce que chaque fois, c'est que je, je fais en sorte de sauvegarder mes éléments, enfin mes objets. Ceci sera donc Monster Eye, euh, ça sera donc File. Comme ça, vous pourrez le récupérer si vous voulez. Alors le fil en fin fait, de compte a une deuxième fonction, quand vous faites CTRL F, vous allez pouvoir revenir en arrière. Mais attention, ça ne marche que sur les textures ou les blushs. Donc on verra ça quand on sera à cet endroit là. Donc ça peut marcher pour n'importe quoi. Hein. Imaginons vous voulez l'œil. Je fais Shift H, je clique sur mon œil. Je veux par exemple un œil, on va dire, euh, bleu. Et comme ça, on fait hop, on fait OK. Et là je fais... j'appuie sur tout simplement... Le, le bouton qui s'appelle Fill Clear et automatiquement mon œil est bleu. Si je fais Ctrl H, je reviens et vous voyez, on a ce qu'il faut. Donc, ce qui est vraiment pratique, c'est que vous allez pouvoir, euh, quand vous avez beaucoup d'objets, de pouvoir colorier directement, mettre une couleur, on va dire, de base en premier, pour pouvoir après la, la modifier. Très souvent, ce qu'il faudra faire, c'est mettre une couleur de base très claire. Alors là, par exemple, j'ai mis un vert très violent parce que bon, on a vu pour l'instant, fait que les couleurs. Et après, on s'amusera à mettre différentes couches, différentes couleurs. On pourra mettre aussi différentes textures, différents types de broches, et ainsi de suite. Mais ça, nous verrons ça dans la vidéo suivante. Voilà, donc j'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Une dernière chose, il faut savoir qu'à chaque fois, je vous donne les sources. C'est-à-dire que là, sur mon laboratoire, savoirpourtous.eu, vous allez ici, au niveau du graphisme, vous voyez. Ici, vous avez différentes, euh, différents cours, il y a sur SketchUp, Blender, euh, et ainsi de suite. Nous, ce qui intéresse, pour l'instant, c'est Sculptrice. Au niveau de la vidéo, j'ai fait en sorte de réaménager si vous voulez le site internet afin que vous puissiez accéder. Alors les vidéos, pas de problème, mais vous pouvez aussi récupérer toutes mes petites bestioles que je m'amuse à créer. Comme je vous dis, je ne suis pas graphiste, mais je suis juste passionné et je m'amuse à dessiner ça. Donc là, je l'ai remis à jour récemment. Là aussi, ça me prend du temps, soyez patient. Et ici, vous voyez, on a les différentes vidéos. Et là, par exemple, vous pouvez récupérer la bestiole. Là, par exemple, pour le module Paint, vous allez pouvoir récupérer la bestiole. Ici, je vois euh, module Paint Color, bah, je n'ai pas encore fini de mettre à jour. Soyez patient, mais en général, je fais en sorte de vous donner tout ce que je vous explique dans mes vidéos. je fais en sorte de vous les donner comme ça vous pouvez jouer avec, si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder ce que j'ai fait et, et pouvoir après évoluer euh, bah, au gré de votre passion ou au gré de vos envies tout simplement. Donc bonne journée et à la prochaine bye bye.